Endroit de vivre et de matériel scolaire d'une valeur de 5 millions a été octroyé ce mardi par la Fondation Bonne Action Umugiraneza à l'endroit du Centre pour les personnes handicapées de Gasenyi en commune Uganda dénommé Disability Response Association, Dizala en sigle. Désiré Mfubusa, assistant de la présidente de cette fondation, dit que ce dos va aider ces personnes handicapées à terminer cette année et commencer la nouvelle année en beauté. Une visite dans le centre d'handicapés physiques et mentaux, appelé Disability Response Association de Buganda. D'abord, nous sommes une délégation de la Fondation Bonne Action Guyanaise. Vous le savez tous, la fondation qui est dirigée par Mama Burundi, Son Excellence la Première Dame. Et vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est la fondation qui fait beaucoup d'actions, d'œuvres charitables envers les populations vulnérables. Et nous avons entendu alors de ce centre. Nous sommes venus les visiter. D'abord, c'est pour manifester un esprit d'amour envers eux. Et c'est l'un des objectifs principaux de la Fondation Bonne Action Mugiraneza d'aider les populations vulnérables. Deuxièmement, très récemment, Son Excellence la Première Dame, présidente de la Fondation Bonne Action Guyanaise, a commencé une série de visites dans des centres et villages de personnes très démunies pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin de l'année, mais aussi les soutenir autant qu'elles peuvent faire. Alors, C'est dans ce contexte que nous sommes venus voir à ce centre. Il y a un message très spécial de la part de Son Excellence la Première Dame. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup à donner. C'est d'essayer d'appeler tout le monde qui peut le faire à aider son voisin et à cultiver cet esprit d'amour, de partage et d'entraide mutuelle. Ce centre pour les personnes handicapées de Gasenyi, acquis un manque d'équipement pour aider ces personnes handicapées à bien vivre avec les handicaps, notamment les chaises roulantes, les béquilles et en kit de démarrage pour commencer les activités génératrices de revenus.